Parlons maintenant des modèles de cloud. Il y a différents modèles de cloud computing, hein. Selon le modèle que vous choisissez, vous avez plus ou moins de choses que vous allez gérer. Ça, encore une fois, c'est important à comprendre et à connaître si vous vous préparez pour la certification AWS Cloud Practitioner. Le premier modèle, c'est le modèle on-premise. On-premise, ça veut dire qu'on n'est pas dans le cloud, hein. Donc là, on peut imaginer que c'est, par exemple, Madame Dour. Madame Dour est là, déployer ses applications, en fait, hein, de son entreprise, pas dans le cloud, mais on-premise. Donc on-premise, c'est-à-dire que Madame Dour, son entreprise, a des serveurs ou des data centers ou des salles serveurs. L'entreprise de Madame Dour, qu'est-ce qu'elle doit gérer dans ce cas de figure? Bah, c'est à eux de gérer les serveurs, c'est à eux de gérer le stockage, c'est à eux de s'occuper de patcher les serveurs, de la virtualisation, des systèmes d'exploitation, c'est à eux de s'occuper des middleware, s'ils ont des middleware qu'ils installent, des stack lamps par exemple, s'ils font du PHP par exemple, voilà, jusqu'à la partie applicative, c'est sous la responsabilité de l'entreprise de Madame Dour. Pourquoi? Parce que Madame Dour n'est pas dans le cloud. Elle gère elle-même ses propres data centers. Elle fait ce qu'on appelle du on-premise, du sur-site en français. Prenons l'exemple maintenant de Monsieur Diouf. Monsieur Diouf, lui, il a choisi avec son entreprise de faire du cloud, sauf qu'il a choisi un modèle qui s'appelle les IaaS. Les IaaS pour Infrastructure as a Service. Donc le modèle IaaS, en fait, ce qu'il permet de faire, il permet de louer des ressources informatiques de bas niveau. En fait, quand on dit de bas niveau, c'est-à-dire on va pouvoir louer des serveurs informatiques, du stockage, on va pouvoir accéder à ces serveurs, EC2 par exemple, ou Windows, Linux, et on va pouvoir installer nos applications là-dessus. D'accord? Donc c'est comme si Monsieur Diouf, il louait des serveurs sur AWS. Ça, c'est du IaaS. C'est du IaaS dans le sens où tout ce qui est data center, tout ce qui est réseau, tout ce qui est serveur physique, tout ce qui est protection des data centers, tout ce qui est virtualisation, c'est pas Monsieur Diouf qui va le gérer, c'est le fournisseur cloud qui le gère pour Monsieur Diouf. En l'occurrence, si c'est AWS, c'est AWS qui va gérer les data centers. C'est AWS qui va s'occuper du capacity planning. Est-ce qu'il y a assez de serveurs ou pas? Pour que n'importe quel client, à n'importe quel moment, qui demande un serveur, il puisse avoir accès à un serveur. C'est AWS qui s'en occupe. La partie virtualisation. Parce que ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que AWS a des data centers. Dans ces data centers, ils ont des serveurs physiques. Sur ces serveurs physiques, ils ont installé des couches de virtualisation. Pour ceux qui sont curieux, c'est un système qui s'appelle Nitro, qui est utilisé depuis quelques temps. Et donc, du coup, toute cette partie-là, c'est pas Monsieur Diouf qui s'en occupe. Monsieur Diouf, tout ce qu'il a à faire, c'est d'aller dans la console et dire, moi, je veux un serveur EC2 Windows avec telle version. Et donc, en quelques minutes, il a accès à ce serveur. Et vu qu'il fait du IaaS, il va pouvoir se connecter en RDP, hein, vu que c'est un serveur Windows ou un SSH, s'il avait démarré un serveur Linux. Et il va pouvoir installer son application PHP ou son code Node.js ou son application d'entreprise, son CRM ou son ERP. Pour les développeurs Java, peut-être qu'il va installer son WebLogic ou son JBoss ou son Tomcat et il va installer ses applications. Donc ça, c'est un modèle qu'on appelle le modèle IaaS. On gère moins de choses parce que toute la partie infrastructure data center est gérée pour vous, par AWS, mais effectivement, vous avez quand même toujours la responsabilité de gérer le système d'exploitation hôte. Ça veut dire quoi, gérer le système d'exploitation hôte? C'est-à-dire que si Monsieur Diouf, il démarre un serveur Windows dans le cloud AWS, effectivement, le fait que ce serveur Windows soit démarré dans un data center AWS, c'est AWS de s'en occuper. Par contre, une fois que le serveur est démarré, c'est à Monsieur Diouf de s'occuper de patcher, d'installer les patchs Windows, d'installer des antivirus, par exemple. Donc ça, c'est sous la responsabilité de Monsieur Diouf. C'est pas AWS qui s'occupe d'installer des antivirus. AWS va vous mettre à disposition des services pour vous permettre de patcher vos serveurs. Donc il y a un service qui s'appelle AWS System Manager. Par contre, c'est la responsabilité de Monsieur Diouf de patcher. Ça, c'est important. On va en reparler. Le modèle de responsabilité partagée sur la partie sécurité. Et voilà. Quand on parle de IaaS, AWS s'occupe du matériel sous-jacent, des data centers, mais c'est vous, Monsieur Diouf, ou vous en tant que client, ou les entreprises, qui allez vous occuper de l'OS et de tout ce qui est installé dessus. AWS n'est pas responsable de ça. Il y a un autre modèle, c'est le modèle qu'on appelle le Platform as a Service. C'est quoi le Platform as a Service? Ça veut tout simplement dire que, en tant qu'entreprise, vous pouvez être client d'un fournisseur cloud et utiliser un service dans lequel ce service, en fait, vous allez tout simplement lui passer un exécutable. Et cet exécutable, ce service, il va l'exécuter pour vous. Et vous allez me dire, mais c'est pas très clair, hein, j'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Concrètement, c'est tout simplement comme si le système de serveur d'application était déjà préinstallé. Et vous venez juste avec votre code PHP, votre code Java, votre image Docker. Ce service, il va l'exécuter pour vous. Parce que le runtime, il est déjà préinstallé pour vous. C'est pas vous qui vous en occupez. Le middleware, il est déjà installé
pour vous. Pour ceux qui font du Java, c'est comme si le WebLogic, en fait, il était géré par AWS. Vous venez juste avec votre package, hein, peut-être un WAR ou un EAR, vous le passez, et puis il l'exécute pour vous. Et donc ça, c'est un modèle où il y a un plus grand niveau d'abstraction. Pourquoi il y a un plus grand niveau d'abstraction? C'est comme si on disait, Aliou, il veut déployer une application, il va juste aller voir le service et il va juste venir avec son exécutable, son application qui est déjà packagée. C'est un point zip ou c'est du code Java et c'est un exécutable. Par contre, est-ce que c'est Aliou qui va s'occuper de la partie data center, tout ça? Non, on l'a vu tout à l'heure, c'est AWS qui s'en occupe. Est-ce que c'est Aliou qui doit démarrer des servers et puis installer les middleware qui vont permettre à Aliou d'exécuter son application? Non. En fait, dans ce modèle PaaS, il y a déjà tout ce qu'il faut pour exécuter l'application. Donc Aliou, il est juste responsable de venir avec son exécutable, son fichier zip, son jar, son package, et il le donne au service, et le service, il va l'exécuter pour lui. Donc ça, c'est le modèle Platform as a Service, et on voit que Aliou, dans ce cas, il a moins de responsabilités. En modèle IaaS, il a un peu plus de responsabilités que quand il est en modèle PaaS. Et le troisième modèle où il y a encore moins de responsabilités, c'est le modèle Software as a Service. Donc si on prend l'exemple, par exemple, de madame qui dit, moi je fais du cloud, et donc du coup, je vais faire du SaaS. Le modèle SaaS, imaginez vos emails. Vos emails, c'est un super exemple de cloud en modèle SaaS. Est-ce que votre Gmail, vous savez c'est quoi le code derrière? Est-ce que c'est du PHP, du Rust, du Go? En fait, ça vous intéresse pas. Vous le savez pas. Vous savez pas combien de serveurs, en fait, hein, sont derrière, qui vous permettent d'accéder à vos emails. Vous savez pas comment sont stockées vos données. Finalement, peu importe vous, tout ce qui vous intéresse, vous, c'est que quand vous vous connectez à l'interface Gmail, vos emails sont là. Vous pouvez consulter vos emails, vous pouvez envoyer vos emails. Et donc, toute la partie en dessous, toute la partie infrastructure, c'est pas vous qui vous en occupez. Pourquoi je parle des emails? C'est que un email, c'est un exemple de solution de type software as a service. C'est un logiciel pour lequel on va juste s'inscrire. Et puis, toute la partie qui est en dessous, c'est pas à nous de nous en occuper. Et on voit ici que madame qui fait du SaaS, bah, elle a pas grand chose à faire, en fait. Si, elle a autre chose à faire. C'est sur la partie un peu applicative, ses clients, tout ça, son corps métier. Mais tout ce qui est data center, tout ça, serveur, c'est pas elle qui s'en occupe. Tout ce qui est runtime, middleware et OS, il n'a pas accès. C'est comme c'est Gmail, en fait, hein. C'est pas elle qui s'en occupe. Et toute l'application, en fait, la gestion des données, c'est pas elle qui s'en occupe. Elle, tout ce qu'elle a à faire, c'est de se connecter et puis d'utiliser ses emails. Donc, si je résume, et puis on va voir les avantages de chacun et les inconvénients, le modèle on-premise, vous n'êtes pas dans le cloud. Vous gérez tout. Le modèle IaaS, vous voulez avoir des serveurs. Et ces serveurs, vous allez installer vous-même vos applications, vos données. Effectivement, quel est l'intérêt de faire ça? Parce que ça va vous demander beaucoup plus d'efforts, on le voit. Généralement, c'est des entreprises qui veulent avoir la main sur ce qui est installé sur ces serveurs, la façon dont c'est installé, la gestion des ports, voilà. Ils veulent avoir beaucoup plus la main sur l'infrastructure pour pouvoir le gérer. Ça peut être pour des raisons de compliance, ça peut être pour des raisons de, je sais pas, il n'y a pas un service PaaS qui permet de faire ce qu'ils veulent faire, donc il faut qu'ils l'installent eux-mêmes. Et donc, dans ce cas de figure, ces entreprises, oui, ils vont dire, bon, nous, on va faire du IaaS. Le modèle PaaS, c'est typiquement, il y a déjà un service qui permet déjà d'exécuter votre code, votre application. Et donc, pour aller beaucoup plus vite, vous allez juste utiliser ce service, vous lui passez votre code, il exécute pour vous. Le modèle SaaS, c'est les modèles que vous connaissez. Si vous faites du Salesforce, si vous faites des CRM en ligne, si vous utilisez des emails, il y a plein de logiciels en ligne maintenant, en fait, hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous créez un compte. Là, vous êtes dans un modèle SaaS. En tant qu'entreprise, vous passez beaucoup moins de temps. Vous passez même pas du temps, en fait, sur la partie infrastructure ou data. Et donc, ça veut dire quoi pour vous? En tout cas, la façon dont on l'explique au moment de choisir ces modèles de cloud. C'est-à-dire que plus vous êtes vers ces modèles-là, plus il y a d'efforts pour vous, à votre niveau, en tant qu'entreprise. C'est-à-dire que, bah, il faut s'occuper, en fait, de l'infrastructure physique. C'est à vous de vous en occuper. Et plus vous êtes vers ce modèle-là, ce modèle SaaS, moins vous avez d'efforts à fournir sur la gestion de l'infrastructure, parce qu'elle est gérée pour vous. Mais effectivement, il faut être dans un modèle où vous pouvez déléguer cette gestion de l'infrastructure à un tiers tel que AWS. On parlait des banques tout à l'heure. Ils ont peut-être des applications, ils peuvent, et d'autres applications, ils peuvent pas. Mais en tout cas, quand vous pouvez, plus vous pouvez faire ce modèle-là, aller vers ce modèle IaaS, PaaS, SaaS, donc plus vous déléguez au fournisseur cloud, et plus vous pouvez vous concentrer sur la partie innovation, c'est-à-dire sur est-ce que mes clients sont contents, comment je vais faire évoluer mon application pour que ça aille plus vite, que j'ai plus de features, etc. etc. Et donc c'est ce qu'on appelle la partie innovation. Je passe moins de temps sur la gestion de l'infrastructure, et je passe plus de temps sur mon application, sur mes clients, sur mon avantage compétitif en tant qu'entreprise.